Au micro, Idriss Assedoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Bonjour. C'est pire que Pearl Harbor, c'est pire que le World Trade Center, a déclaré le président américain Donald Trump dans une allusion à l'attaque surprise du Japon en 1941 contre la base militaire américaine à Hawaï et aux attentats du 11 septembre 2001. Cela n'aurait jamais dû arriver, a-t-il ajouté, en s'en prenant encore à la Chine, berceau de la pandémie. M. Trump a réaffirmé sa volonté de rouvrir le pays. Pendant ce temps, l'Europe, où la pandémie semble désormais maîtrisée, sort peu à peu du confinement et amorce un début de normalisation avec un symbole fort, la reprise prochaine du championnat de football en Allemagne. Le chef de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, a affirmé que les États-Unis disposent de preuves significatives que le nouveau coronavirus s'est propagé depuis un laboratoire de Wuhan en Chine, mais non pas de certitude. Pour sa part, Pékin a rejeté catégoriquement l'idée d'une enquête internationale. L'épidémie a fait au moins 260 546 morts dans le monde pour plus de 3 710 240 cas selon un bilan de l'AFP mercredi. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas avec 73 095 décès pour plus de 1,22 million de cas. Les autres pays les plus touchés sont le Royaume-Uni, l'Italie, l'Espagne et la France.